Et salut à toutes et à tous, c'est Saku. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Yo-Kai Watch, dans lequel on aborde le dernier chapitre du jeu, le dernier chapitre de l'aventure principale du jeu. Hop, on va tout de suite parler à notre petit miroir, hein, comme d'habitude, on va se faire guider. Alors où est-ce qu'on va se déplacer aujourd'hui? Si je dis pas de bêtises, je dis jamais de bêtises, hein, bien évidemment. Hop, c'est par ici qu'on va aller. Au pire, si je dis une bêtise, hein, j'ai envie de dire, on connaît le chemin. J'ai l'impression que j'ai pas dit de bêtises. Oh, pardon. Hop. Je tourne la caméra comme ça. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je reviens dedans avec plein de poissons. Pourrais-tu m'apporter deux fois poisson et chat? D'accord. Est-ce que je les ai déjà? Alors attends. Là, la question c'est est-ce que je les ai déjà? Ok, je les ai pas. Voilà, au moins c'est clair. C'est ici l'endroit que j'ai vu dans mes rêves. C'est par ici que j'accédais au Yokai World. Comment est-ce possible, Whisper? Bien sûr, la prophétie de Lucas est tout à fait exacte. En fait, l'ascenseur Yokai se trouve juste ici. Considère-le comme un pont entre le monde des humains et le Yokai World. J'aurais vu, ouais. Bon, bah les gars. On sent qu'on part vers la fin de l'aventure, là. Le Yokai World. Ah, ça va faire mal. On peut vraiment accéder au Yokai World ici? Bien sûr, on a juste à... C'est quelque part par ici. Voilà Lucas, si tu veux bien nous faire l'honneur. Je dois insérer la clé. Vas-y, insère-moi cette bonne clé. Bien, le bonjour et bienvenue à l'ascenseur Yokai. Ok, super. On sera à Yokai World dans un instant. En voiture, Simone. Ouh là là là, mais il y a des expressions dans le jeu. Tu aurais même plus existé. Waouh, joli. Nous sommes arrivés au Yokai World Terminus où tout le monde descend. Quel endroit bizarre. C'est juste comme dans mon rêve, j'ai l'impression d'être déjà venu ici. Les Yokai habitent ici depuis la nuit des temps. Ça se change du monde des humains, ça croit Guy, non? Je ne sais pas pourquoi, comment Lucas a vu cet endroit dans son rêve, mais les Yokai qu'on a vus dans le cristal doivent être dans le coin. Il faut qu'on l'arrête avant qu'ils envahissent le monde des humains. Qu'est-ce qu'on attend? Snoop Doggy Dog. C'est parti. Wow, regardez-moi ça. Il y a du monde qu'on connaît. Toi, par exemple, on va te réveiller. Ok, super, on va pas te réveiller. Toi. On peut sauvegarder. On est d'accord. On est d'accord. Autre chose, ça ira, merci. Bon, bah c'est par là qu'on doit aller, je suppose. Qu'est-ce que c'est que ça? Également, c'est un bel endroit, c'est étonnant, il y a quelque chose de peu étrange. Ok. Chaque fois, je vais tourner cette caméra. Ok. Sakuragi, il y a quelque chose ou quelqu'un. Regarde. Oh, je me souviens de lui. Sakuragi. Qu'est-ce qui t'a pris de l'amener ici? Il était notre dernier espoir face à McCracken. Waouh, il a l'air énervé, Sakuragi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je n'ai rien fait. Il ne peut vous accompagner sous aucune circonstance. Il doit partir. S'il ne fait pas de lui-même, j'utiliserai volontiers la force. Oh oui, ok, on en est là. Super. Laisse-moi sortir mon stylet. Octogone. Ok, il a pas l'air très fort. Ok, on va quand même lui faire des petits coups. Hop, un ultime.
Ah oui, non, il perd difficilement des PV, ok. Ok, on n'a pas un petit plaisantin là, comme on dit dans le milieu. Mais je pense que le combat devrait aller. Parce qu'il a pas l'air de faire trop mal non plus. Ah oh, oui, là, il a bien fait perdre. Ah, mais en fait, t'es en train de m'attaquer de manière pas gentille. Ouais. Alors, on va peut-être faire un objet. Hop. Tiens. Non? Oui. Ok, on a un soigné. On va aller par là-bas faire des âmes ultimes. Tout le monde est soigné ici, ça c'est cool. Quand tu veux. Merci. On va utiliser objet. Utiliser ici pour soigner. Parfait. On va utiliser la mitélémire. Bon, non, je pense que le combat va aller. Hein. Ah, on a un petit truc à récupérer. On va voir si on peut le récupérer après la multime. Yes. On va le truc dessus. Bon, écoute, t'es quasi mort, hein, mon ami, au final. Je pense qu'on devrait largement pouvoir le battre. Après cette attaque. Ah oui, non, il retente en fait. Ah oui, dans le genre, je plaisante pas. Voilà. Allez, fais ton attaque. Attends, je peux peut-être faire la mienne avant. Non, pas du tout. Ah, quoique. Il fait plus son attaque là? Il y a un truc qui m'a échappé. Bon, est-ce qu'on peut dire que t'es quasi mort? Ah bah, on peut dire que t'es complètement mort. Bon, ça allait vraiment. C'est un combat gentil, on va dire. Ah, ils nous ont fait faire un petit combat gentil. J'espère qu'il va rejoindre mon équipe. Comment ça, je suis responsable? Rien du tout. J'ai voulu savoir qui es-tu, pourquoi nous as-tu aidés? Nous devons aller par là. Est-ce que tu vas nous laisser passer? D'accord, Sakuragi. Comme tu voudras. Mais Lucas, écoute-moi bien. Si tu veux continuer avec eux, il faut que tu saches la vérité. Je vais te dire ce qui se passe entre le monde des humains et le Yokai World. Ce monde était un endroit paisible pendant le règne du grand Henma. Nous vivons plus longtemps que vous, vie sera éternelle. Quand le grand Henma a disparu, les Yokai malveillants ont pris le contrôle. Le parti politique du Calamus McCracken a pris le pouvoir. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait pendant que j'étais enfermé. Le grand Enma luttait pour que les yokai et les humains vivent ensemble. C'est pour cette raison que ta Yokai Watch a été inventée, Sakuragi. À sa mort, il a souhaité que les yokai continuent son œuvre, mais quand McCracken a pris le pouvoir, il a semé le chaos dans le Yokai World. Il en voulait toujours plus. Maintenant, il veut dominer le monde des humains. C'est pour ça que ces mauvais yokai préparaient une invasion. Exactement, tout cela était dû au chaos du Yokai World. C'est pour ça que j'ai été attaqué par les yokai dans mes cauchemars. Le grand Enma avait un fils, mais son pouvoir n'était pas encore éveillé en lui. Il était notre seul espoir, il fallait qu'on le protège jusqu'à ce qu'il soit temps. Nous l'avons emmené dans le monde des humains et effacé sa mémoire. Tout cela dans le but de le protéger, pour éviter que McCracken ne le trouve. Impossible, c'est de moi dont tu parles? Oui, quant à toi, Sakuragi, contrairement aux autres humains, tu as cru en l'existence des Yokai. Je pense que Lucas, le fils du grand Enma, sera entre de bonnes mains. Sakuragi, tu dois trouver un moyen de vaincre McCracken. Je te le promets, merci de nous avoir expliqué. Je regrette de ne pas avoir fait confiance et reconnaissance, n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de moi. Parfait. Ok.
On a un nouveau poteau. Il a l'air chaud, donc on va le prendre dans notre équipe. Hein. Allez. Non, pas tout de suite. Qu'est-ce que je dois faire? Lucas, je pense qu'il vaudrait mieux que tu rentres dans le monde des humains. Laisse Akuragi s'occuper de McCracken. D'accord, je t'attendrai à l'école. J'accompagne Lucas pour être sûr qu'il soit en sécurité. Bonne chance. C'est une grande responsabilité que tu as, Sakuragi. Le destin des deux mondes. Ok, super, destin des deux mondes, juste ça. Je ne veux pas te mettre la pression. Dans tout ce que je veux rendre combat contre ma craquette, je suis prête. Je suis une Sakuragi vachement prête. Ah, à chaque fois, je vais utiliser ce bouton. Hein. Toi. Échanger yokai. Alors. Ah oui, il est bien chaud. Force 60, 70. Force 17. Bon, allez, je te remplace, mon petit Télémir. Je veux que ça tape fort. Non, non, plus échanger yokai, c'est fini. Hop, on va sauvegarder un petit coup. Et il tease parti, on peut toujours pas le réveiller lui. Hein. Ok. Ah, mais. Toi, qu'est-ce que tu veux? Récemment, il y a eu des types un peu louches au Yokai World, nom d'un chien. C'est drôle ça. Ouais, eux, ils sont louches. Ouais, ils sont vraiment bizarres. Quelle coiffure adorable, j'ai envie d'en manger un bout. Tais-toi. Tais-toi. Il y a plein de trucs appétissants ici en dessous, il me croit pas, compie-toi et regarde par toi-même. Ouais, bah je vais regarder ici, moi. Salut. On s'est déjà vu quelque part? Gargaros. Ah, je suis Gargaros, un des gardiens d'élite du grand Enma. Bien qu'il a disparu, ma loyauté est aussi forte qu'avant. Si vous désirez rentrer, parlez-vous ce que je vous juge. Combien de cas? Quoi? 19? C'est vraiment aussi des gens. Comment pourrais-je laisser quelqu'un exceller à ton domaine? Va-t'en, va aider les gens jusqu'à épuisement. Super. Ah, super. J'ai cru qu'il voudrait pas tomber. Oh, où est-ce qu'on atterrit? Où est-ce que nous sommes-nous? Attendez, on va aller là-bas. Rien. Ah si. Alors, un petit double burger. Où est-ce qu'il nous a envoyé? Même moi, je n'ai plus faim. Où est-ce qu'il nous a envoyé, mon Dieu? Ah, oh, bah super, bien joué. Je suis désolé, mais après avoir vu ça, moi je le veux. Hein. Matsutake. Oh. Qu'est-ce que ici on n'a rien à faire? Non. Où est-ce que nous sommes, les gars? Un petit oursin cru. On peut passer par là? Bien sûr qu'on peut passer par là. Mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est ça que je me demande.
Ok, bon, ça on va le prendre. Du petit pain au curry. Ouais, rare-nous, quoi. Merci, bleu yeux. Attends un peu. Quoi? Rattrape, je n'ai pas assez de quêtes. Je comprends, elles sont dures les quêtes. Et maintenant, tu essaies de sortir, mais tu ne peux pas partir comme ça. Évidemment, si tu n'aimes pas les quêtes, je ne peux pas te demander de l'aide. Et si on joue à cache-cache, je me cache, tu dois me trouver. C'est pas exactement une quête, mais tant pis. Si tu me trouves, je te laisse sortir. Ok. On voit que c'est le seul moyen de sortir, il faut jouer à son jeu. Eh ben, je vais me cacher. Ah. Ah, super. Oh non, mais regardez. Oh non. Ils sont tous pareils. Est-ce que c'est drôle ça? Non, ça l'est pas. Non, Ah ouais, non, toi t'es pas du tout. Quel moment c'est drôle ça, toi? Non, c'est pas Picard non plus. Super, super ce jeu. S'amuse comme des petits fous. Une petite omelette au crabe. Qu'est-ce que c'est que cette quête? Essaye de pas tomber. C'est pas toi. C'est Piki, super. Il y en a un là-haut, on va aller le voir. C'est Carpouille, super. Je vais te donner un indice. Picard n'est pas ici. Super. Heureusement que t'es là pour donner des indices, Jean-Bobby. T'es pas là non plus, je suppose. C'est Pictor. Oh mon Dieu! Comment te rendre fou, quoi? Mon Dieu, t'es pas beau, toi. Voilà, comment un jeu essaie de te rendre fou? Comment on va là-haut? Comme ça. Pas grimper sur ce lieu. On a dit qu'il était pas là. On a dit qu'il était pas là. En plus, je trouve même plus de moyen de grimper. Voilà. Les gars, je suis sûr que vous l'avez vu 4 fois, vous. Je suis sûr que c'est celui qui est tout en haut, là. Regardez sur le radar, sur la minimap, on le voit, quoi. Comment on va sur celui-là? C'est la question que je me pose. C'est pas possible, Picoco. Ah, toi, tu veux bien m'amener en haut? Et là, on a un truc qu'on n'a pas trouvé. Du thon de type premier choix. Ok. Non. Il n'a pas osé. Non, on l'avait trouvé, les gars. Mais non. On l'avait trouvé. C'est pas partir, on l'avait trouvé. Mais non. Faut tous les refaire.
l'avait trouvé. Mais on l'avait trouvé. Non, je suis pas d'accord. Je suis prêt à m'opposer là, les gars. T'es là, je suis sûr. Ouais. Ok, je sais où il est. Là, je le vois sur la minimap. Il est ici. Il est ici. En fait, il apparaît à certains endroits. Des petits ramen de luxe. Écoutez, les gars, j'espère que cette partie de cache-cache vous enjaille en tout cas. Il n'est pas là. On va aller de l'autre côté. Doucement, doucement, doucement. C'est pas toi là, par hasard, non. Oh non, il est tout en haut. Ah non, c'est bon. Oh, casse-couille, hein. Non mais il va. Il est sérieux. Il est sérieux, tu l'as pas vu toi? Mais on va le faire combien de temps? Mon ami, j'ai rien contre toi. Bien au contraire, mais... Mais tu es un petit peu casse-couille. Un tout petit peu, sur les bords. Je crois qu'il est revenu par là-bas en plus. Pas là-bas. Je crois voir où il est. Mais là, pour l'atteindre, ça va pas être facile. On va aller, on va essayer de prendre de l'autre côté. Peut-être monter par là. Non. Attendez, il est pas là-bas? Non. Ça aurait été trop facile. Oui, je me repère vraiment que au point violet sur le radar. Hein. Pas toi par hasard? Non. Il est pas. Comment on va là-bas? Il y a trop d'endroits que je ne sais pas atteindre. C'est peut-être par ici. Voilà. Waouh! Elle est dure, hein? Et Picard. Waouh! Pas facile, facile. Bien joué, ça m'étonne pas que tu réussisses jusque-là, tu peux y aller. Toi, t'as rien à me dire. Tu peux me récompenser. Don Juan. Tu as réussi à arriver jusqu'ici, bravo. Utilise cette corde pour retourner à l'antichambre. Ok. Waouh, pas facile. Mais du coup, j'ai pu y aller. Je vois, il faut être en S. Ah, ok, toi t'es. Je m'attendais pas à ça. Bah, j'ai un coma où, moi aussi. Enfin, on va faire un petit âme ultime de l'ami Octor Machin. Alors en fait, si je comprends bien, quand on n'a pas le nombre de missions, on fait ce mini-jeu. Bah, c'était plutôt cool à faire en fait. J'espère qu'il va se faire soigner parce que. Ouais. Voilà, déjà là je fais lui. Voilà. On va t'achever toi maintenant. Non, on va t'acheter. Fais. Toi là-bas. Essaye de soigner. Faut que je fasse mon âme ultime avant. C'est bon.
J'arrête mon âme ultime. Oui, j'aime bien économiser mes âmes ultimes. Attaquez, mes petits. Attaquez. Parfait. Voilà, parfait. Eh, économie d'âme ultime, les gars. Parfait. Étoile dansante. T'es un méchant, toi? Non. Y'a pas un méchant encore qui veut se battre? Non. Ah, y'en a un là. Il y a un petit point rouge. Salut! Là, j'attaque direct, hein, là, je plaisante pas. Ok, ça a fait mal, ça fait moins 1. Avec toi, ça fera moins 2. Voilà, allez, salut. Oh, qu'est-ce qu'on leur a fait mal avec Komaou? Ok, donc ici je suppose qu'on aura un deuxième mini-jeu. Est-ce que je peux sauvegarder? Pas du tout. On ne peut pas sauvegarder. C'est parfait. Eh ben les gars, moi ce que je vous propose c'est de se laisser là pour cet épisode. Et puis on va donc faire la deuxième épreuve lors du prochain, parce que ça fait déjà une demi-heure. Je vous remercie et puis je vous dis donc à très vite pour le prochain. Ciao tout le monde.